Omega est le chronométreur officiel des Jeux Olympiques. Pour nous, c'est important de chronométrer tous les passages des concurrents sur toutes les bouées pour pouvoir les comparer et les enregistrer pour chaque course. Ces équipes Omega viennent sur la marina avec leur propre matériel qui ont été testés auparavant, avec leur propre logiciel. Et SCC est en charge de leur apporter un complément de matériel, que ce soit en imprimante, en portable ou en écran multimédia. Et nos équipes SCC sont en charge d'intervenir sur tous les incidents qui arriveraient sur ce matériel de près. On n'intervient pas sur le matériel, bien sûr, qui appartient à Omega. Et ces matériels sont soumis là aussi à de fortes contraintes température, puisque ça se passe dans un endroit un peu à huis clos, sous une très chaleur. On intervient là aussi ultra rapidement puisque c'est le chronométrage de la course. En tant que VSDS sur la Marina, je suis en charge de gérer toute l'équipe qui va intervenir sur tous les incidents de la Marina et sur toutes les zones de la Marina, que ce soit sur les petits mousses, que ce soit sur la partie bridge, que ce soit sur la partie bord de plage. Mes équipes sont prêtes à intervenir jusqu'à 5 minutes maximum sur certains incidents qui pourront avoir des effets graves sur les JO et sur les Paralympiques. Donc on a un FOB complètement étanche où les spectateurs doivent rester en périphérie. Je suis dans le bridge au quotidien pour observer les courses depuis un point haut pour regarder que tout se passe bien.